Bonjour la famille, on espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes à l'hôpital avec Hikma parce qu'aujourd'hui on a rendez-vous pour juste une vérification par rapport à ses dents. Ensuite, je pense que le médecin va pouvoir nous donner un autre rendez-vous pour voir le spécialiste pour l'appareil dentaire de Hikma. Donc, on a rendez-vous à 9h45. Et là, il est quelle heure, Hikma? Il est... Attendez, il est 9h34. Donc, nous sommes arrivés à l'hôpital. Et on va monter, faire les dossiers qu'il faut. Et ensuite, on va attendre à la salle d'accueil. Et donc... pour le coup, Hikma n'a pas école aujourd'hui puisque on a le rendez-vous. Du coup, elle est avec moi. Donc voilà la famille, à tout à l'heure. On avait rendez-vous à 9h45 et là il est 10h. Il est 10h20. On est toujours à l'accueil. On est dans la salle d'attente. Il faut que je voie. T'as oublié que je suis un vieux moi. Tu te souviens que je suis un vieux, alors le vieux il a besoin de lumière pour regarder. Allez, les pieds ici, la tête là, et voilà. Tu vois, il n'y a rien autour. Hein. T'as que les doigts. Comment? Ah, certainement pas. Pourquoi ce lieu? Pourquoi tu veux ce lieu? Non. Tu rien pour ce lieu. Allez, vas-y, tu peux sortir. Oh. Allez, arrête. Ah bah, reste comme ça alors. Mais bah, par contre, tu ne bouges pas la tête, il faut que je regarde. Ah, ça, je suis content de voir, parce que là, ce que je vois, j'aime bien. Ah, attends, je vais pas tout ici. Eh bien, regarde, donne-moi ton verre. La grande sagesse que tu es ici. Tu es plus sage, maintenant. Est-ce que tu l'as de l'autre côté? Fais-moi voir. Il marche comment l'ordinateur? Alors, mets la tête bien là. Bonjour madame. Oh, je regarde dedans du haut. Encore. Mélanie? Alors, Hikma, tu es fière de toi? Oui. Tu n'as pas pleuré? Oui. Tu es restée sage? Oui. Non. On va dire plus ou moins. Si, elle est restée sage quand même. Elle est restée sage. C'est le docteur qui le dit. Donc, pas d'appareil dentaire pour tout de suite. Rendez-vous encore en septembre pour voir. Parce que Hikma, il faut qu'elle soit tranquille, c'est ça? Il faut qu'elle soit calme. Qu'elle arrête de mettre les doigts dans la bouche. Oui. Pas les doigts dans la bouche. Et aussi vérifier un peu son comportement avant de pouvoir entamer les démarches pour une appareil dentaire. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Oui, qu'elle se brosse, elle se brosse, elle se brosse, elle se brosse. Donc voilà la famille. En tout cas, je suis fière de toi parce que vraiment, je pensais comme si tu allais pleurer, mais tu n'as pas pleuré, donc on fait des progrès. Oui, on a regardé facilement la bouche. Mm-hmm. Sans problème. Sans problème. Et on est en train de vous donner un autre rendez-vous à cette oui. jeune demoiselle. Pour septembre. Eh bien, la famille, on rentre chez nous. Tu viens avec moi? Je suis là. Oui, tu es là. Donc, on nous a donné rendez-vous pour le 25-09, pratiquement à la rentrée, pour venir voir le docteur. Il est super sympa, il était vraiment super gentil, il est vraiment gentil avec Hikma. Et donc là, on rentre à la maison. Je ne suis pas vraiment étonnée de la décision du médecin parce que il nous avait déjà... Donc on a pris un rendez-vous. Il nous avait déjà prévenu que ça allait prendre du temps parce que Hikma, il faut qu'elle s'habitue avec le orthodontiste qu'on va venir voir. Et lui, il a dit qu'il va chercher l'orthodontiste pour venir avec Hikma, et pour être sur place avec Hikma, pour qu'Hikma puisse s'habituer. Donc je ne suis pas du tout choquée, mais il faut dire que le rendez-vous qu'on a, c'est dans longtemps. Alors, longtemps.
jouer dans mon ton. D'accord. Et en plus, je suis vraiment fière de Hikma parce qu'elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Donc c'est bien. On se dit à tout à l'heure la famille. Oui, alors, voilà la famille. Donc j'ai déposé Hikma à la maison. On a mangé. Et ensuite, j'ai dormi un peu. Et je suis sortie pour acheter deux objets que j'ai besoin pour faire une vidéo. Parce que vous étiez nombreux à me le demander cette vidéo, mais il me manquait des objets. Donc je suis venue à Carrefour pour acheter ça vite fait. Et quand je vois le prix, ça me fait mal à la tête. Parce que c'est trop cher. Quoique j'ai trouvé une là qui est à 16 euros, c'est pas mal. Moi, ça me va. Ça me va complètement. Regardez, c'est ça en fait. Que je suis venue acheter à Carrefour. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure? Je pense que j'avais quelque chose à vous dire, mais j'ai oublié. Si jamais toutefois je me rappelle de ça, je vais vous le dire. Mais bon, comme je disais, en fait, je ne sais pas si vous avez vu le vlog où on était parti à la foire de Troon, où je vous parlais comme quoi ce mois-ci on va pas publier tous les jours, ça va être on va publier la semaine, mais ça sera pas comme le mois dernier où on a publié tous les jours les vlogs. Donc du coup je vais prendre une là. Mais je vais quand même publier, à savoir que vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, sur Snapchat, si vous ne nous suivez pas. Comme ça, vous allez voir un peu ce qu'on fait, si jamais on ne publie pas. Attendez, j'ai fait tomber quelque chose. C'est ce que je vais dire. Et comme j'ai dit, dédicace hein, aux personnes qui nous ont... Bonjour. Alors là, comment je vais porter ça et en même temps vloguer? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous savez ce qu'on va faire? On va se retrouver tout à l'heure après, quand j'aurai fini. On se retrouve à la maison, comme ça on va parler tranquillement à la maison, sans problème. Changer d'avis finalement la famille, je préfère prendre ces deux-là. Ils sont mieux. Peut-être que le prix n'est pas pareil, mais pour moi c'est plus avantageux de prendre... ce modèle là transparent que l'autre modèle là bas que j'ai posé à côté. Donc voilà, je préfère ces deux là et je vais passer prendre des pâtes pour la maison parce que il faut aussi que je pense à faire les courses. Je les ai toujours pas fait. Me revoilà la famille, de retour à la maison. Je me suis mis en mode peignoir. Hikma, elle est en mode pyjama. Voilà, tu es en mode pyjama. Donc comment ça s'est passé ta journée, Hikma? Bien. Tu as regardé la télé? Oui. Tu as mangé quoi? Des pâtes. Avec quoi? Des saucisses. Des saucisses, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'elle a dit le médecin pour toi? Parce que je ne peux pas vivre. Ah oui, il ne faut pas soucier, voilà, il faut pas soucier ton doigt. Donc là, il est presque 21h, les enfants ne vont pas tarder à aller au lit. Et en même temps, je me suis dit, bon, j'allais finir le vlog sur ce. Et à savoir que c'était un vlog qui était assez court parce que après que j'ai fini chez le médecin, donc je suis allée faire d'autres démarches administratives, mais je ne pouvais pas vous filmer ça parce que ce n'était pas vraiment intéressant. Maman, oui, Hikma. Demain, je me sens encore. Non, non, pas demain. On a rendez-vous dans 6 mois. À la rentrée, septembre. École demain? Ouais. Et demain, tu es à école. Yeah! Tu veux aller au lit? Oui. Et voilà, Aditson, ça va? Oui. Alors, comment ça s'est passé ta journée à l'école? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé? Oui. Cette fois-ci, tu n'as pas tout mangé? Non. Et comment ça s'est passé à la foire de Troon? Parce que tu as rencontré un youtubeur. C'était il y a 2 jours, on est parti. Oui. Ça t'a plu? Tu étais super choquée, super content, super d'avoir rencontré un youtubeur. Tu as rencontré 2 youtubeurs? Au total, ça m'a fait 4 que j'ai rencontré. Ah, c'est bien, c'est super. Sinon, comment ça s'est passé à l'école? Tu as fait quoi? Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? J'ai mangé... Tu as oublié? Ah, du riz avec du poisson. Oui. Et de la pomme. Il y avait une pomme, elle était trouée.
Oh, une pomme qui a fait ça. Bon, et aussi, après, au travail, on a fait des mandalas, on a fait de la symétrie, de la conjugaison et notre évaluation sur vraiment parfaite. D'accord, donc c'était très intéressant quand même cette journée pour toi. Alors, j'avais quelque chose à vous dire, mais sincèrement, je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je sais que c'est quelque chose d'important que je souhaitais vous parler. Mais je ne sais pas, en fait, j'arrive pas à me rappeler vraiment de ce que je voulais vous dire. Mais dans tous les cas, c'était un plaisir de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Et je vois toujours monsieur qui est juste là. C'était un plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Et comme vous avez vu, Hikma, elle commence à ne pas avoir trop peur. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager et puis commenter nos vidéos, nous suivre aussi. Et on vous fait plein de bisous. On se dit à très, très vite. Sur Sakina Family. Il se cache ce petit.